Les potes, c'était un changeur, j'espère que vous allez bien. Là, on se pose à toi, tout nouveau live, les gars. Donc, on va dire plutôt une toute nouvelle vidéo parce que là, je vous apprends comment immerge un véhicule. Donc, moi, pour ma part, on va merger avec le Fadio parce qu'on peut merger aussi avec le RC Bandito. Donc, moi, j'ai pas réussi. Donc, on va merger avec le Fadio comme on peut le voir ici. Du coup, les gars, donc si vous aimez des lives comme ça, les vidéos de ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et tout ça. Vous connaissez, bah, moi pour ma part, tout à l'heure j'avais merge la X4 en proto avec les roues F1 et la couleur rouge noir. Du coup, voilà. Et là, on va merge la 811 qui est juste là-bas avec quel véhicule d'ailleurs? Là, je crois qu'on va la merge avec ça encore. Vous allez voir. Ok les gars, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner et tout ça, vous connaissez. Bref. Attendez, je mets juste le chat, hop là. Hop là, hop là. Nickel. Hop là. Hop là, hop là, voilà. C'est bon. Donc les gars, c'est parti. Il faut juste faut que vous ayez un Fadio et l'atelier d'Arena et le gros camion que vous voyez en face de moi. Donc les gars, faut monter sur le Fadio, aller sur bah, pour le modifier, vous mettez descendre, vous remontez. Comme ça vous avez le casque. Après vous mettez là pour que il fait tomber son casque à la roue arrière. Voilà, pour que le Fadio il glisse et pour qu'il tombe. Vous allez comprendre. Donc du coup, voilà. On va dans inventaire, en cas, et on doit boire des pissoiseurs derrière la roue pour qu'ils tombent. Voilà, on en boit. Ok, nickel. On va essayer avec 3 ou 4, ça dépend. Voilà, on en boit encore un. Ouais, c'est bon, on en a du 5. Hop là, voilà. Donc les gars, du coup, il faudra le pousser, le Fadio. Pour qu'il tombe. Là, je le pousse comme ça. Ok, voilà, le Fadio, là, il est tombé. Nickel. Là, on va le ramener là-bas. Putain, attendez. Voilà. J'essaie de le ramener. Maintenant, faut le ramener au milieu, là, bien au milieu. Au milieu du carré, à la ligne. Voilà. On avance encore. Stop. Voilà. Et voilà, quand vous avez un message d'alerte, vous descendez du Fadio. C'est important, si vous en avez deux, faut refaire. Du coup, là, on va prendre le camion qui est juste là-bas pour pousser, pour que le Fadio héros rentre. Vous allez comprendre. Comme vous pouvez le voir, le camion a poussé le Fadio. Le Fadio est bugué. Donc on va descendre. On va remonter sur le Fadio. S'il y a deux messages d'alerte, bah c'est bon. Voilà, il y en a deux. Nickel, nickel. Du coup, on va renvoyer ça. J'espère qu'il est pas re-rentré. Putain, il est re-rentré. J'aurais dû le... Non, je m'a fait la manip. On va refaire. Attends, voilà. C'est ça que je parlais. Faut pas qu'il revienne. Là, on va le refaire tomber normalement. Avec le camion. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre au milieu. C'est casse-couille après. Il bouge même plus là, regardez. Ah si, voilà, là.
Ok, nickel. Nickel. Ok, maintenant, regardez, là, on va mettre le Fadio sur le côté. Comme il est rentré. Du coup, là. Non, mets-toi pas comme ça. Voilà. On pousse le Fadio sur le côté. Voilà. Là, on remonte dessus. Ici, on a deux messages d'alerte. C'est bon. Là, comme vous pouvez voir, j'ai deux messages d'alerte. Donc, c'est bon. Si vous en avez pas, donc, faut tout refaire, je pense. Hein. Et voilà. Donc, pour ma part, après, je le mets là. Donc, du coup, là, je remonte dans le camion et je renvoie le camion. Là, je renvoie le camion. Renvoyer au dépôt. Donc voilà, là on a fini avec cette manip là. On passe là, on a fait le plus dur. Donc voilà, quand on a fait le plus dur, maintenant vous choisissez le véhicule que vous voulez merge, enfin que vous voulez mettre le modage sur le véhicule. Du coup, moi le véhicule que je veux merge, bah, c'est la 811. Du coup, je vais mettre flèche de droite. Flèche de droite pour modifier le véhicule. Pister 811, comme vous pouvez le voir, voilà, il rentre. Voilà. Du coup, je vais descendre du véhicule, rond-croix, descendre du véhicule. Donc, je remonte sur le Fadjo. Normalement, il faut que j'ai deux messages d'alerte encore une fois. Ok, j'en ai deux. Donc là, on va re-renvoyer le Fadjo au truc. Bah, voilà, les gars. Maintenant, vous mettez renvoyer le Fadjo au dépôt. Ça va faire une animation. Donc, voilà. Hop là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, maintenant le Fadjo a pris la place de la 811. Donc le glitch a bien marché. Et voilà. Donc le Fadjo quand même il a pris la place. Donc vous allez monter sur le véhicule que vous voulez mettre le modage sur la 811 par exemple. Donc pour ma part c'est lui. Bon, voilà. Moi je voulais mettre les autres, mais vas-y. On va essayer lui, on va vous montrer. Donc maintenant regardez, ça va bugger. On va mettre flèche de droite. Ce véhicule-là va monter sur l'autre véhicule. Comme vous pouvez le voir, là juste ici, on voit la 811 encore. Donc voilà. Donc on met rond, croix, descente du véhicule. Voilà. Donc maintenant, on va se coller à la porte conducteur de la 811. On met triangle pour qu'on rentre. On attend que la voiture démarre. Donc maintenant, là c'est le plus dur. Donc vous allez rester appuyé option et dès que vous avez même pas une seconde après vous spammez la flèche de gauche. Donc voilà, maintenant on appuie option, 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 flèche de gauche, 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 gauche. Normalement ça a marché, j'espère. Non, ça a pas marché. Non. Voilà, ça m'a fait descendre le véhicule tout simple. On refait jusqu'à que ça marche, ok? Option, flèche de gauche, 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 gauche. Non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Voilà, on remonte dans la 811. Flèche de gauche, gauche. Hop, 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 hop. On spam la flèche de gauche. Non, ça marche pas. Ça marche du tout. Parce que la porte, triangle. Plap, 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 plap. Comme vous pouvez le voir, hein, je spam, mais ça marche pas. Tout à l'heure, ça me l'a fait. On va essayer, hein. On continue, on persiste pas. Plap. On spam, ça marche pas. Ah, elle a despawn normalement. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est modée maintenant. Elle est juste ici. Voilà, j'avais pas vu. Donc, du coup, quand. Voilà, là, elle est modée, ma 811. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le modage qui était sur mon 4x4, je l'ai mis là. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, ça vous le faire. Et voilà. Donc, ma 811, elle est bien modée. Et pour l'enregistrer avant la fin, pour l'enregistrer, et bah, faut juste changer une pièce. Donc, par exemple, vous remontez dedans, vous changez de pièce. Voilà, je vous montre. Voilà, la 811 là elle est bien modée, les roues F1, la couleur. Voilà. Ok, je remonte, comme vous pouvez le voir, ça va pas gêner, vous inquiétez pas. Voilà, on va changer un truc comme ça, là on va juste descendre pour qu'elle avance plus. Après on remonte.
Voilà, modifier le véhicule. Donc voilà, on va mettre réparer. On va par exemple changer la plaque, c'est le moins cher. On va prendre. Voilà. Donc moi je prends la blanche en GS. Voilà, et maintenant on va faire quitter l'atelier. Et du coup, la voiture, elle est à nous et le modage, il est bien fini. Donc voilà les gars, là elle est à moi. Je descends et c'est bon. Le modage part plus. Maintenant, on doit faire ça sur tous les véhicules comme vous pouvez le voir. C'est là que je peux faire, hein. J'espère. Hein. Non, ça marche pas. En fait, je sais pas, ça marche pas. Hein. Ça marche jamais. On va essayer sur lui là. Normalement, lui, ça marche, sûr. Alors, lui là, normalement, c'est sûr. Donc on peut répéter à chaque fois et le glitch il va toujours marcher. Voilà. On met descend du véhicule. On remonte dans le véhicule qu'on veut modder. On reste appuyé sur option. Hop là là. Hop là 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 là. On spam, on spam, on spam. On spam jusqu'à qu'il despawn et s'il a despawn c'est qu'il est modé. Yannis, t'es là? Non, ça a pas marché. Va voir mon live comme ça, tu regardes comment ça se passe. Option, 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 option. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Non, faut qu'on refait, on refait, on persiste pas. Enfin, on persiste. On fait comme la 811. On continue. Tant que ça marche pas. Jusqu'à que ça marche. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, flèche de droite, flèche de droite. Normalement, faut qu'il court. Hein. Ça marche pas. On refait. C'est pas grave. Yanis? Appuyer, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. On fait une emote pour qu'on se débug. Et normalement, là, il est modé avec les roues F1. Si je suis ok. Non, on n'a pas modé. C'est bizarre. Je sais pas, je pense. Non, on n'a pas modé, on n'a pas réussi. C'est pas grave, mais normalement ça a dû marcher. Bref, on va essayer avec lui, normalement, hein. Là c'est sûr ça marche. On va lui mettre le bref. Hein. Bah, Yanis. On reste appuyé, hop là, 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 ouais. Ah, maman, il va courir. Hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là, normalement, et là, c'est bon. Il est modé, comme vous pouvez le voir. Attends. Non, du tout, il est pas modé. Pourquoi? Je comprends pas. On va essayer, hein. Voilà, 816, il est modé, hein. Je comprends pas. Non, ça marche pas. Du coup, on va quitter la run, on va prendre la 811, on va la ramener dans notre garage. Hop là. On sort du garage et elle est à moi toujours. Yannis, t'es là? T'as regardé la manip comment on fait ou pas? T'as regardé la manip? Elle est trop stylée, ma 812.
On va prendre la déduction, on va modder avec. Attends, on va prendre avec une modée. Ouais, elle. Hein? Ouais, t'es où toi? Bah, regarde mon live. Ok. Les gars, là, on va modder ce véhicule-là. Comme vous pouvez voir, on avait modé la U11. On va remodeler avec, je pense on va modder avec le truc de la déduction. Ah bah attends, faut que j'achète des pistolets. Ah bon, boutique, on va acheter des pistolets. Ah, je les ai pris. T'es en train de faire quoi, Yanis? J'ai ma nouvelle coque, elle est trop belle, vraiment trop belle. On va prendre les fadjou. On a la voiture qu'il faut, on va modder avec. Maintenant, on va chercher l'autre truc là. Commander le véhicule. De luxo. Donc là, on commande la de luxo. Tout simple. Toi, il y a une liste de médecins, moi, je t'entends plus. C'est voilà. Est-ce que la déduction, je veux savoir la modifier ici? C'est ça que je veux savoir. Très bien. Ok, let's go. C'est bon, on va faire avec ça. Thank you.
se colle bien derrière le Fajo. Hop là, on fait tomber le casque. En 20R, en cas. Puis le zéro. Non, bon. Hop là, on en a plus 5. Non, on va faire tomber. Hop là, il est tombé direct. On relève le Fadio, il est bien sur la ligne. Non, il faut avoir un message, pas deux. Oh, c'est mieux que ça. Ah, ok, j'ai capté. Ah ouais, j'ai vraiment... Ouais, putain. Est-ce qu'on va le refaire tomber? Oh là là. Ok, nickel. Je vais juste le pousser un petit peu encore. Ok, nickel. Faut qu'il bouge maintenant. Il va bouger. Voilà. Dans le relève, il faut qu'il y ait encore un message ou deux. Je crois que c'était deux. Hein. Ouais, deux. Ouais, c'était deux, je m'en souviens. Deux. Renvoyer au dépôt. Du coup, je modèle. Ok, nickel. On va prendre la déduction.
Je crois que j'ai fait l'inverse, hein, voilà. Attends, essayons. Non, les gars, ça va pas me le faire maintenant. Ça peut me le faire maintenant. Non. Stop, les non. Je dois arrêter le live, et bah ouais. Allô, Yanis. Yanis. Je dois relancer le live à cause de cette merde là.